Et salut à toi la team YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de ce let's play sur Harry Potter et Relic de la Mort, deuxième partie. Nous sommes à l'épisode numéro 4 dans mes souvenirs. C'est parti. On dirait que le château commence à s'écrouler. Attention. D'accord, on se retrouvera en bas. C'est pété. On ne tiendra pas longtemps. Il est là. Oh, je kiffe ce jeu, j'adore. En plus, vu que c'est la première fois que j'y joue, que j'y découvre peut-être en même temps que vous, franchement, je kiffe, j'adore. Attends. Continue, je m'en occupe. Ah!
verrouillé. Vous êtes un fou. Let's go! Let's go! Je pense qu'on arrive à l'hangar. Là où il y a la scène la plus horrible du film. Que tout le monde a été content sur un coup, mais après quand on connaît l'histoire de son personnage, bah tu commences à l'apprécier, en fin de compte. J'espère qu'Hermione va bien. Moi aussi. Allons vite au hangar, on l'attendra là-bas. T'as raison. D'autres dangereux? Bah étonnant si Voldemort est là aussi. Occupez-vous de la force de vous. Petrificus total. Tu n'iras pas loin, Potter. Oui. Je crois que c'était le dernier. Ah. Tant mieux, parce qu'on se rapproche. Let's go! Pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionne pas? Ah, c'est la scène. Vous avez accompli de grandes choses avec la baguette de Sureau, maître. Ce soir, quand le garçon viendra, elle ne vous décevra pas. C'est à vous seulement qu'elle obéit. La baguette obéit au sorcier qui a tué son maître précédent, Severus. Tu as tué Dumbledore. Tant que tu vivras, elle ne pourra pas m'appartenir complètement. Maître. Tu!
reprenez mes souvenirs. Vous avez les yeux de votre mère. Son fils est vivant. Si vous aimiez vraiment Lily Potter, vous le protégeriez. Personne ne s'attend vraiment à ce que le jeune Drago Malfoy réussisse à vous tuer. S'il échoue, Voldemort se tournera vers vous. Vous savez que cette malédiction me tuera. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Pour gagner la confiance totale de Voldemort. Harry devra savoir une chose lorsque Voldemort sera le plus vulnérable. Quand Lily Potter s'est sacrifiée pour son fils, le sortilège a rebondi. Une part de l'âme de Voldemort s'est accrochée au seul être vivant qu'elle a trouvé. Harry. Donc, quand l'heure viendra, le garçon mourra. Oui. Et c'est Voldemort lui-même qui doit le tuer. Ils ont tué Lupin. Et Fred. Harry Potter, je m'adresse directement à toi. Rejoins-moi dans la forêt interdite et affronte ton destin. Viens me rejoindre, je ne ferai plus jamais que le sens. Je dois y aller. Maintenant. Ça va pas, non? J'ai pas le choix. Tuez le serpent et je m'occupe de lui. Après, tout sera fini. C'est déjà la partie de la forêt interdite, les amis. Waouh. Elles sont trop bien faites, les cinématiques. Les souvenirs, bah, quand Harry apprend qu'il doit mourir, etc. Ils ont trop bien fait la scène. Oh, la musique. C'est la fin. Il ne reste qu'une chose à faire. Ron et Hermione s'occuperont de Nagini. Je veux rentrer chez moi, j'en ai marre de me battre. Aucun ne peut vivre tant que l'autre survit. Ça mérite des captures d'écran, les amis. Ça
Elle mérite vraiment des capteurs d'écran, parce que se voir comme ça, c'est incroyable. Stupid Fix! N'oubliez pas comme ça, Potter! Voir votre seigneur des ténèbres! Tu as décidé de te rendre? La lutte n'est pas finie! Prépare-toi à disparaître, Potter! C'est ce que vous vouliez, non? Ne le fais pas attendre, Potter! Par ici! Le seigneur des ténèbres! Pourquoi la scène, quoi. Et là, du coup, je me pose la question, s'ils ont refait comme dans le film, ça veut dire on voit les fantômes. Si on voit les parents de Harry, Lupin, Sirius Black. Un, deux, trois. Ah ah! Si, ils l'ont fait! Ah, la dernière fois qu'on va voir les deck trackers aussi. Putain, ils ont refait les scènes avec les fantômes. Ça, c'est cool. Ça, c'est génial. Tu as été très courageux, mon chéri. Pourquoi êtes-vous tous là? Nous ne sommes jamais partis. Nous sommes là, dans ton cœur. Ah, on peut pas courir. On est obligé de marcher. C'est incroyable. Ça fait mal de mourir. Pas plus que de s'endormir. Les autres peuvent vous voir. Voldemort nous a peut-être tués, mais nous sommes en toi à présent. Et toi, tu es en nous. J'ai tant de choses à vous dire. Ah, Lupin. Pardon. Je ne voulais pas que vous mouriez pour moi. Et Remus, ton fils. Les autres expliqueront à Teddy pourquoi ses parents sont morts. Un jour, il comprendra. Mais toutes ces morts, Tonks, Fred, même Rogue. Garde-les dans tes souvenirs. J'essaierai. Ne les pleure pas. Leur souvenir ne disparaîtra pas. Oh, Black. Je ne vous oublierai jamais. Nous le savons. Tu y es presque, Harry. Nous sommes si fiers de toi. Oh, la musique. Ils vont me faire chialer, ces cons. C'est la musique, elle va trop bien avec la scène. Vous resterez avec moi. Jusqu'à la fin. Restez près de moi. Toujours. Ils vont me faire chialer parce que la musique avec la situation, ça y va trop bien. Bon bah Voldemort, vas-y hein, amuse-toi bien. Oh non. Prépare-toi à mourir. Harry Potter, le survivant, venu mourir. Avada Kedavra! Ah, ils ont fait même la scène là? Harry, c'est ça, tu es très
très courageux. Oh, suis-moi. Professeur ? Oh, bah, Rose, excusez-moi, bien beau, hein. Mais... vous êtes mort, n'est-ce pas ? Oh oui. Alors, je suis mort aussi ? Eh bien, je ne crois pas. Mais je l'ai laissé me tuer. C'est ta volonté, je pense, qui a fait toute la différence. Une part de lui vit en moi, n'est-ce pas ? Non. Elle a été détruite il y a quelques instants par Voldemort lui-même. C'était toi, le septième Horcrux, Harry. L'Horcrux qu'il ne voulait pas créer. Mais... et les reliques, alors ? Toi, Harry, tu en es le digne possesseur. Parce que tes intentions sont pures. Tu t'es sacrifié alors que tu savais qu'il existait des choses bien pires que la mort. Je dois repartir, n'est-ce pas ? Cela, c'est à toi de voir. Souviens-toi que Poudlard offre toujours son aide à ceux qui la demandent. C'est le choix, Pau. Neville, qui est dans les bras d'Agri ? Harry Potter est mort, hé 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 ! Silence ! À partir d'aujourd'hui, vous allez vous rallier à moi, ou vous en subirez les conséquences. Harry Potter est mort ! Non ! Non ! L'heure est venue de prendre une décision. Il t'a sauvé la vie. Bravo, Drago. Eh bien, qui d'autre ? Hein ? Allons, n'ayez pas peur. Bien, bien. Revenant à moi, ce garçon s'est assuré sa survie. J'aimerais dire quelque chose. Oui, nous avons perdu Harry. Mais il n'est pas mort en vain. Ce n'est pas fini. Potter ! Ah ah ! Je suis ici ! Tes amis ! Ton école ! Tout est en ruine ! En ruine, Harry ! Finissons-en. Allez,
Allez, Voldemort, première manche terminée. Ah, je kiffe. Là, j'adore. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait une scène un peu plus longue. Tu sais, pour calmer un peu le jeu, pour dire. D'accord. Jouons à ton petit jeu. Prête le temps. L'esprit de Poudlard est indestructible. Très amusant, Harry Potter. C'est ça. Fuis, Harry. Le grand Harry Potter qui s'éteint comme un lapin. Vous vont finir, mais pas comme vous le voulez. Tu ne peux pas me faire de mal. Je connais cette école. Tu ne peux pas m'échapper. Je te trouverai, Harry. Mais je ne comprends pas. Tu peux fuir, mais je te trouverai. L'esprit de Poudlard est indestructible. Tous ces efforts sont inutiles. C'est ça. Fuis, Harry. Je te trouverai. Ah, j'arrive pas. J'arrive pas. D'accord. Jouons à ton petit jeu. Un peu de temps. Pour en finir. Mais pas comme vous le voulez. Tu peux tout détruire. Mais je triompherai. Je connais cette école. Tu ne peux pas m'échapper. Je te trouverai. Ah, je me dépresse. Ah, pourquoi je dis que je vais. Tu peux fuir. Mais je te trouverai. L'esprit de Poudlard est indestructible. Je m'attendais à mieux, Harry. Le grand Harry Potter qui t'étale comme un lapin. Je te trouverai. Tu peux fuir, mais je te trouverai. Vous pouvez en finir, mais pas comme vous le voulez. Ça ne suffira pas. Le grand Harry Potter qui t'étale comme un lapin. Je te trouverai, Harry Potter. Oh non. Oh non. C'est ça. Fuis, Harry. L'esprit de Poudlard est indestructible. Pourquoi retarder l'inévitable, Harry? Je connais cette école. Tu ne peux pas m'échapper. Je te trouverai, Harry Potter. Ah, c'est chaud. D'accord. Jouons à ton petit jeu. Laisse le temps. Où vont finir? Mais pas comme vous le voulez. Tous ces efforts sont inutiles. Tu peux fuir, mais je te trouverai. Je te trouverai, Harry. Ah, c'est trop chaud. Je connais cette école. Tu ne peux pas m'échapper. L'esprit de Poudlard est indestructible. Tu peux tout détruire, mais je triompherai. Le grand Harry Potter qui t'étale comme un lapin. Je te trouverai, Harry Potter. C'est ça. Fuis, Harry. Vous pouvez en finir, mais pas comme vous le voulez. Très amusant, Harry Potter. D'accord. Jouons à ton petit jeu. Quelque temps. Je te trouverai, Harry Potter. Pourquoi retarder l'inévitable, Harry? Panique? Peur? Terreur? Cours, Harry! Tu fatigues déjà? C'est ça! Fuis, Harry! L'esprit de Poudlard est indestructible! Je vous battrai! Focus! Le focus que j'ai fait là!
Et là, les amis, je suis à fond dans le jeu. Je suis à fond dedans. Après, on est où, là? Ça se pourrait que ce soit le dernier épisode, t'en fais compte. Hein. Il faut qu'on tue le serpent. Ok, là je comprends Ron. Vite, on doit s'occuper du serpent. Quelque chose. Je t'aime. Si c'est quelque chose que tu dirais pas si on n'allait pas être tué par un serpent géant, ne dis rien. Ah. D'accord. J'espère. Oui. Voilà la génie. Tiens-toi prêt. Là, c'est en train de tout enchaîner, là, les amis. Je pense que je vais essayer de m'arrêter à un endroit particulier. Et tant pis, même si ça dure pas longtemps, le dernier épisode, mais je vois à peu près 4-7... Regardez le viaduc. Ils sont trop nombreux.
Ah bah, je crois Harry que a besoin de nous. On doit les retenir le plus longtemps possible. Elle a raison. Allez, à l'attaque. Oh, tu fais vite.
passage. Ils ont réussi à percer nos défenses. Je crois que c'était le dernier. Où est-ce qu'ils vont? J'ai du mal à le croire. On a réussi. On les a eus. La vache! Bravo tout le monde! Une autre attaque! Tout le monde à l'intérieur! Eh ben dis donc. Les amis, nous allons nous arrêter là pour cet épisode parce qu'on va bientôt atteindre les 50 minutes. Du coup, je vais m'arrêter ici. Et du coup, ça voudrait dire objet trouvé 4 sur 4, incroyable. Non, pour être plus sérieux, on va s'arrêter là. Comme ça, on terminera dans le prochain épisode parce que je pense qu'il y aura le combat là. Et puis après, ça sera le combat final contre Voldemort. Les deux dernières phases plutôt. Et puis après, on enchaînera vers la fin. Et puis voilà. Du coup, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, à partager, à vous abonner, à
commenter la vidéo. Donc c'est la mesure, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. En tout cas, voilà, je suis vraiment très content. On va pouvoir terminer cette saga dans le prochain épisode. Ça va être beaucoup d'émotions parce que ça va être un long moment que j'ai attendu pour terminer cette saga. J'ai attendu très longtemps, vu que celui-là, je ne connaissais pas. Et du coup, je suis vraiment très très fier. Et du coup, ça va être beaucoup d'émotions dans le dernier épisode. Et puis, puis voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, à marquer dans les commentaires, comme je vous ai dit, à me suivre sur Twitch aussi, hein, parce qu'il y aura des lives spéciales très prochainement et tout. Du coup, n'hésitez surtout pas, c'est gratuit, vous juste à follow, et puis voilà, quand même comme ça, tout le monde est content. Bref, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine pour l'épisode final de Harry Potter. Salut, salut!